Bon allez, quoi de mieux pour se mettre dans l'ambiance que de faire une petite partie solo contre l'IA? On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, j'ai pas tout pigé, je vous dirais franchement. On va voir ce que ça donne. Alors bah je vais prendre le même, hein, je vais pas perdre de temps. Ouais. Bah ouais, parce que là je les connais pas du tout, lui. J'ai vu qu'il avait une protection et le bouclier, des trucs comme ça. Donc juste pour faire cette solo-là, au moins je vais prendre ce petit personnage. Bon, j'espère que ça va pas être trop complexe. Si j'ai bien compris, on a des trucs à récupérer. Hein, c'est ce qu'on a vu dans le tuto. Ah, c'est contre ceux-là qu'on va se battre. Je sais pas si tu l'as compris, mais chaque fois que tu lances une partie, t'as un nouveau... Enfin, les ennemis, c'est les nouveaux. Excuse-moi, j'essayais de passer par-dessus. Là, j'appuie sur espace, c'est n'importe quoi. Il faut appuyer sur E pour sauter, on est tellement habitué à espace. Donc t'as les nouveaux ennemis à chaque fois. Ça peut être des races différentes, et en fonction des races, bah, c'est plus ou moins dur. Là, on est tombé sur des espèces d'aliens, je sais pas ce que c'est. J'ai vraiment avoir de peur qui augmente, faut que je prenne un coéquipier. Ben voilà, il me le dit, hein, la peur augmente. Ah bah oui, il y a trois nanas, j'ai l'impression. Une, deux, et celle qui est restée en bas, qu'on a vue dans le coin, ça doit être celle-là. Ouais, là, trois. Bah bon, voilà, mesdames, bonjour. Par contre, moi, je sais pas quoi faire, là, parce que il faut qu'on mette un point sur... Jake Guys and Go et qu'on commence à s'y diriger. Vu qu'on n'a pas d'armes, ça va être un petit peu chaud. Comment on met un point à taper sur Alt? C'est bon? Marquer un endroit comme dangereux. Bah non, je sais pas marquer comme dangereux, c'est là qu'on y va. Je comprends rien. Puisque je te dis que c'est là qu'on y va, mesdames. Bref, c'est là qu'on va, bien entendu. Allons-y. Essayer de fouiller là, on va ramasser le bidon d'huile, ça me servira à rien. On va essayer de piquer une bagnole si on peut, mais hop, on ramasse ce qu'on trouve. Là, il y a un couperet, je vais le prendre. Oh, touche à rien, toi. Oh, ah, pas ou quoi? On va piquer le flingue à levier. On entend quand même les ennemis là, hein. Je suis pas tranquille. Je peux allumer la lumière, ouais. Il n'y a pas des trucs à bouffer là, parce que ça serait pas mal. Ah, il y a une caisse bleue là, non? Ça, c'est un symbole pour me dégager une caisse bleue. C'est une caisse et c'est bleu. Allez voir. Allons-y, allons-y. On sort. On change d'arme. Toujours le bouton du milieu. J'ai pas trouvé d'autre technique depuis. Faut dire que j'ai pas joué depuis. Hop. Caisse de ravitaillement. Ouvrez la caisse de ravitaillement. Bon, bah déjà, on a deux points qui tombent et une pelle. Bah, c'est pas mal. Une pelle, c'est bien comme arme. Ça me plaît, ça. Ok, ok, ok. Bon, on va mettre des points tout de suite dans la mêlée. On a une pelle. Ouais, deux points, on peut pas mettre plus. Elle parle du nez, la gonzesse, tu l'as entendu? Bon, allez, on y va. Pourquoi on a un grillage, là? C'est quoi la difficulté, là? Go par ici. C'est quoi le truc rouge? Il y a un truc rouge. Pour faire quoi, ça? D'accord, c'est pour faire les feux, pour éviter la peur. Bon, bah là, ça va mieux, parce que mes amis se sont rapprochés de moi, donc ma peur est un peu descendue. Faut faire attention parce qu'a priori, si j'ai bien pigé, quand t'as la peur qui est au max, tu peux te être possédé en fait. À ton tour. Mon esprit peut te posséder. Pas easy quoi. Donc soyez vigilants sur vos peurs et vos phobies. Chaque survivant a sa propre compétence. Ouais, ça on sait, on l'a vu. Ouais, c'est quand même, il y a quand même un minimum de tuto si jamais tu penses. Oh! Alors, bah, j'ai pas eu le temps d'appuyer sur. Ah ouais, ok. Ok, ok, il m'a pété à la gueule, il m'a fait du dégât. On verra le prochain, je sais pas trop où je vais, là, je continue. Elles sont où mes coéquipières, là? Allez, venez, 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 venez. Donc nous, on est dans la zone, et je suppose qu'il faut chercher le truc dans la zone. Oh, qu'est-ce qui se passe? Viens ici, toi. Raté, j'ai raté le F encore. Ouais, je pige pas bien le truc. C'est pas compliqué pourtant, le mob il prend des coups, t'appuies sur F. Y a rien de compliqué, mais moi je pige pas, t'as vu? Ils ont fait des tests avec une huître. Entre moi et l'huître, y a pas beaucoup de différence. Bon. Voilà, c'est réussi. C'est réussi. T'as vu ce que j'ai mis, beauté? Regarde là. Bon, attends. Ah, ça c'est un piège. Donc il n'y avait pas de traces, on a vu ça hein, dans le... Dans le tuto, les pièges, là, comment poser des pièges. Donc il nous a posé un piège, l'esprit. Là, il y a un pistolet, bon, ok. On n'en veut pas. On va continuer, là. Il y aura de la bouffe ici, c'est un supermarché. C'est incroyable. Il n'y a rien à bouffer, là. Oh, oh.
Je la bouffe, la nourriture, à manger. Non, y a pas. Y a rien, ok. Là, y a le garage à côté. Ça gueule, ça se bat. Elle gère les trois, mes trois compatriotes, là, elle gère. Hein. Elle défonce les mobs autour de moi. Comme moi, je viens de débuter le jeu et que je comprends pas grand-chose. C'est pas si mal, ça aide pas mal. Là, tu vas en multijoueur, tu te fais déchirer, t'as aucun plaisir. Tu connais pas le jeu, donc ça sert à rien, quoi, tu vois. T'arrives, tu te fais défoncer, quoi. Tu t'amuses plus à défoncer les autres quand c'est eux qui débutent. Enfin, moi, je trouve ça plus amusant que de me faire défoncer moi. Après, chacun voit. Bon, ok, on a ramassé une amulette. On va rusher, là, on va essayer de trouver une bagnole ou quelque chose. Non, faut qu'on fouille les baraques avant. On n'a pas récupéré le morceau de carte. Qu'est-ce qui va être dans cette maison? Ah, je peux courir. Ça c'est pareil, on peut mettre des points pour l'endurance et tout, c'est pas mal. Sauf que les caisses grises, il n'y a que de la merde dedans. Ah bah on a trouvé des points là. Non? Hop. Un point seul, bon bah écoute. Une bataille ou web, on a une pelle bleue. Donc celle-là, elle est grise, oula. F. Alors là ça tape tout seul, hein. T'appuies sur F, ça le finit tout seul. F, ok. Allez, prends ça, boum. Eh, c'est quand même pas mal sanglant, mais pas mal fait. Après, c'est vrai que c'est peut-être pas à mettre entre les mains de tout le monde, quoi. Tu vois? Ça dépend de l'âge, quoi. Waouh, le choc! Elle a changé, hein, depuis que je la connais, elle est pleine de sang. Oh, le choc, un peu. Ouais, eux, ils les font péter, hein. Ils s'emmerdent pas, ils les font péter. Moi, je prends trop de dégâts, regarde ça. Ah non, c'est pas la peine. Faut que j'évite. Par contre, ça serait bien qu'il les fasse pas péter sur moi. Ça serait intéressant, par contre. Hein. Là, ça a tendance quand même à m'irriter un peu. M'irriter la peau quand tu vois la vie que j'ai perdue. Il faut que j'aille sur une autre baraque ou je sais pas où. Là. C'est quoi, c'est un abri de bus, hein. Ça marche comme un crabe. J'allais voir la grosse baraque, là. C'est peut-être un petit peu logique qu'ils aient mis ça là-dedans. Plutôt que dans le garage. Bah tiens, regarde. On a le point qui apparaît. On va rentrer par la fenêtre. Ouais, let's go. J'entends le bruit d'une caisse là, mais je la vois pas. Si c'est une bonne caisse, normalement, t'as vu, on a un icône, non? Je sais pas. Je comprends pas tout, donc. Elle est pas là. Non, je la vois pas. Bon, bah, on retourne. On va aller chercher la carte. Elle les ramasse pas, mes petites collègues là. Elle les ramasse pas. Donc, faut que ce soit moi qui prenne les cartes. D'accord. Je joue en solo. Tu joues en solo, tu ramasses les cartes en solo. Hein. Je vais monter en haut, voir. Là, il y a une caisse mauve. Oh, ça peut être bien ça. Qu'est-ce que je vais trouver? Allez, fais voir ça. Un pompe. Un pompe mauve, ouais. C'est pas ce que je préfère, moi. C'est pas ce que je préfère. J'aurais préféré trouver une arme de mêlée, tu vois. Un truc. N'importe quelle arme de mêlée, tu vois. Mais. Assez puissant. J'entends encore le bruit d'une caisse. Hein. On dirait un peu. C'est le même bruit que dans Warzone, je sais pas. C'est bizarre. Ok, donc on regarde la carte, on remet un point sur Harry House. C'est où ça, Harry House? Ouais, c'est là en haut. On va mettre un point ici. Voilà. Marquer un endroit comme intéressant, c'est pas intéressant. 84 x 3. Ok. Voilà, t'as vu non, mais sans déconner, c'est abusé, quoi. T'as 15 mètres du machin, tu l'as pas. Après, tu lui mets 36. Faut vraiment être prêt, quoi, avec le fusil à pompe. Bon. C'est un choix, hein. C'est un choix d'EDF. Après, faut s'habituer. Il doit faire hyper mal à vraiment un bout portant, quoi. Bon, les filles, j'ai trouvé une bagnole. Go. On y va. Allez, monte, 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 monte. On est tous les quatre, là. Oh, je sais pas. Ouais, je crois. Non, trois, non. Il n'y a que trois, là. Il est où le quatrième? Oh, tu viens ou tu viens pas là? Oh Lolita, t'es où? Allô? Bon, elle est perdue, hein, sa tête. Elle a dû prendre un médicament, elle est restée perchée là. Pas possible. Bon bah, elle nous rejoindra. Hein. À moins qu'elle soit dedans, que je la vois pas, je sais pas. Pour l'instant, je la vois pas. On est obligé de conduire doucement avec ces bagnoles. Hein. Je te garantis que la conduite, c'est quelque chose dans le jeu. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus easy. Ouais, il y a une caisse blanche, mais ça, je m'en tape. Je vais me diriger vers le point, là.
T'as la mini-carte en haut. Elle est pas hyper claire, je trouve. Enfin, elle est claire sans être claire. Je me gourre, non? C'est pas la bagnole, elle fume. Mais elle fume déjà, la voiture. Pourquoi elle fume? C'est quoi cette voiture là? Il aurait pu l'entretenir. Putain, le mec qu'il avait avant, il aurait pu l'entretenir, en fait. Je sais pas. Ok, nous voilà. Let's go. Mais si on est que trois, on verra. Hein. Ouais, j'entends que les deux nanas derrière. Hein. Le petit cri. Hop, j'ai pas de temps à perdre. On est limité, je sais pas si vous avez... je sais pas si je vous l'ai dit, je sais pas si vous avez vu. Hein. 20 minutes 06 là. Ça défile. Je sais pas si je vous l'avais dit. Munitions pour arme d'épaule, je voyais pas. T'es obligé d'allumer ta lampe. Et ta lampe, ben, elle perd d'énergie si tu regardes en bas à droite, hein, 90%. Là. Donc c'est les piles en fait, tu vides tes piles quoi. Donc tu peux pas laisser allumer tout le temps, faut pas oublier de l'éteindre. Là il y a de la lumière, mais j'ai pas de peur, donc ça va. Je trouvais la carte, elle est là. On va aller chercher la carte. On va commencer par la carte, ouais, elle est en bas. Tac. J'aimerais bien trouver un truc à bouffer là, tu vois. Pour avoir de la vie en rap, 4-5 vies, là, si on doit aller lutter contre des boss, des mini-boss ou n'importe quoi, ça va pas être facile, quoi. J'ai pas de vie. Elle tamponne les deux petites nanas, là. Trois, je sais pas si elles sont toutes les trois. Tu les entends? Ça dit... Wow. Ah, viens ici, toi. Allez, un petit coup sur F, non raté. Là, je prends un poil de dégâts, un poil de peur. Je sais pas trop en fait ce que je prends. Oh, que c'est. Elle est belle l'animation quand même. Hein? Faut y aller. Le finish est beau quoi. Allez. Hop. Ah bah là, j'ai pas pu lui mettre. Bah dès que les collègues qui sont avec toi tapent, tu peux pas forcément mettre le finish, tu vois. Bon. Bah, c'est comme ça. En solo, du moins. Hein. Je pense qu'en jeu, tu l'as pouvoir. Hein. Ok, la carte Wadesboro, il nous dit, c'est où ça Wadesboro? C'est là en haut, la case Wadesboro. C'est un des bâtiments là, dans cette zone en fait, quoi. Bon, bah faut qu'on prenne une bagnole, là, il y a une bagnole là-bas. Allons la chercher. Bah, je suis con, quoi, c'est celle avec laquelle on est venu, elle fumait, donc on peut pas. On est obligé d'aller prendre l'autre, là, qui est là. Allez, vas-y, cours, vas-y, cours. Putain, j'ai fait un bond, l'arbre. Truc de ouf quoi. Le truc de ouf. À tout moment, ils prennent une bagnole, ils tentent de t'écraser aussi, puisqu'il peut les posséder. Bon, tu montes ou quoi? Oh! Monte. Où elle est? En fait, on voit pas le quatrième joueur. Hein. Ouais. Là, sur le coup, je le vois pas. Hein. Non. Bon, je suis obligé de me concentrer parce que là, la route, c'est quelque chose. Il hein. Faut qu'on aille à Wadesboro. Ouais. Où je suis allé là? J'ai mon fear qui monte, enfin ma peur qui monte à mort là. Bah j'ai pas. C'est pas une voiture amphibie, on va essayer de les écraser là. Bah non, on est descendu de la bagnole est morte, tu descends automatiquement. On va leur éclater la tronche. On dirait des bikers là qui sont restés bloqués. Bon, il faut que je trouve un moyen de faire tomber ma peur là, ça va pas du tout. Comment je peux faire? Oh, je perds du temps à bloc là. Je vais rester à côté d'elle. Si ma peur elle monte et si je suis possédé, j'ai peur de leur taper dessus, tu vois. Ou qu'eux me tapent dessus, qu'ils me tuent, je sais pas. Il va y avoir un truc quoi. Ben, ça va être un cauchemar le machin. On va le flinguer. Ouais, non. Tu peux pas en fait, hein. Tu peux pas te taper sur les mêmes queues. Enfin, tu peux pas, t'as compris quoi. C'est un peu délicat. Taper sur le F et tout. Mais bon, ça joue très très bien quand même. Hein. Vraiment, ça joue bien. Waouh, il m'a pété à la gueule, regarde ma vie. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable. Si on peut se mettre là, ouais, faire descendre la peur. Bah non, ils se battent. Elles se battent, quoi. Fusil à pompe, ça vaut pas le coup. Donc, faut les tuer, quoi. Je suis obligé de rester. Peut-être que je devrais me mettre dans le cercle bleu, là, je sais pas. Comme ça. Ça descend, mais ça descend pas assez. Très honnêtement, ça descend pas assez. Je sais pas comment on peut faire pour faire ça un petit peu mieux. Pour la faire descendre. Je crois que j'étais obligé d'y aller avec le fil. Hein. Je suis obligé d'y aller comme ça. Bon, bah écoute, je suis obligé de monter dans la voiture pour leur montrer qu'il faut qu'ils s'approchent. Prenez votre temps, hein. Et là, t'as pas qu'est-ce que fait, là.
T'es en train de se maquiller dans un coin, là. Qu'est-ce que c'est l'histoire? On est en guerre là! Allez go! On est parti, mesdames! C'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué parce qu'il me reste 15 minutes. Il reste 15 minutes et 30 secondes. Je sais pas si ça va passer, je vous dis honnêtement. Mon niveau de peur est élevé. Bah ouais, ouais, regarde ma barre. Oh là là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Faudrait que je trouve un truc à allumer, une lumière, quelque chose. Nous, on doit aller à la casse, là, en haut. Ouais, on va prendre par là. C'est pas évident de voir la route, hein. J'ai l'impression que j'ai la peur quasiment au max, mais tant que je suis dans la voiture, ça va à peu près, quoi. Je dis bien à peu près, hein. Là, ça se passe comment, là? S'il me possède et que je suis dans la voiture avec mes coéquipiers, il n'y a aucun sens à ce qu'il me possède. Donc, en fait, il me possède pas. C'est pas que ça va, en fait. C'est qu'il décide tout simplement de ne pas me posséder. Parce que, ben, tu veux qu'il tue qui, là? Personne. Alors, quand je descends de ma voiture, j'ai intérêt à être rapide, par contre. Wow. Même mis un piège, mais bon. On est en voiture, donc ça va. Allez, go. On a une voiture ici. Là-bas, il y a de la lumière, là. Allez hop. Je vais me mettre à la lumière. Allez, allez, cours, 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 tu verras le reste après. Voilà, là je vais faire baisser ma peur pour la possession. Voilà, voilà. 14 minutes. Vas-y, ça, ça va. Ça dégage. Ça aussi. Oh putain, elle, j'ai pris pour un zombie. Je veux dire aussi qu'elles sont couvertes de sang. Hein. Bon alors les filles, je vous explique. J'ai eu très très peur. Ça fait drôle, non? Donc, je suis obligé de faire descendre. Et vous aussi, vous avez peur. Ce serait bien que vous veniez là. Où elles vont, là? Où elles vont? Bon. J'ai bu une petite boisson réénergisante, là. Ça m'a remis un peu de vie. Énorme, hein. Enfin bon. Il m'en reste en fait une. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le tuto, hein, c'est celle en bas à droite sur l'écran. Quand tu appuies sur O, le petit icône avec la croix. À côté, hein, sur P, c'est une amulette qui te permet d'avoir des défenses. C'est une espèce de gilet pare-balles, on va dire. Ou ce que tu as envie qui te défend, quoi, de l'armure. Oh! Mais. Elle est ratée. Il va y passer là. Voilà. Voilà, voilà. Bon ben écoute, je vais pas pouvoir faire tellement mieux. Hein. Ce qu'on va faire, on va se diriger doucement vers, vers les points. On perd trop de temps. 12 minutes 20. Non mais attends, 27, enfin bon, c'est pareil. Incroyable ça. Je sais pas pourquoi, je la sens pas. Je la sens pas cette partie-là. J'ai l'impression que ben y a plusieurs facteurs. Donc le fait que j'ai eu ces mobs là, ces ennemis là, c'est peut-être pas les plus faciles. Hein. Quand il pète. Il pète, il t'électrocute. Regarde ça, le coup que j'ai pris encore. Incroyable. Chaque fois, ils me les font péter. Donc ben ouais. En même temps, je peux pas leur en vouloir. Hein. Mais bon, elle les exécute pas. C'est très rare. C'est un peu chiant. Mais t'as pas le choix, t'as pas le choix. Tu vas pas jouer tout seul, tu vois. T'es obligé de les attendre, t'es obligé de plusieurs, donc il n'y a pas le choix. Là, il y a une faille qui s'ouvre. Je vois la caisse pendant le temps qu'elle s'en occupe. Ok, bon, bah qu'est-ce qu'on a comme zombie autour? Moi, j'ai plus de peur, donc ça va. On a le temps de regarder s'il y a des trucs à ramasser. Il y a pas une caisse ou quelque chose planqué, là? C'est sûrement des caisses qu'on voit pas. C'est pas possible, il y a pas une caisse tous les 22 km, tu vois. C'est impossible. Il y a forcément un truc quelque part. Bon, bah écoute, on va se diriger vers le couteau. Elles sont en train de se battre. Elles sont encore en train de se battre.
Où vous êtes? On peut pas piquer ça? Non. Dommage, on aurait pu prendre le camion, ça aurait été pas mal. Bon, où elles sont? Où elles sont? Où elles sont? Où elles sont? Là. Viens ici, toi. Laissez-le moi, mais laisse. Il a pété ou pas? Non. Non, il a pas pété. C'est bon. Il y a un stress quand même permanent quand tu joues, tu vois. Il y a un stress un peu permanent. On a fait les trois cartes, il faut faire maintenant le livre et la vague. Elles sont bien affichées sur la carte. Voilà. Et après, le chrono doit s'arrêter. Je pense que tu as le temps après pour aller calculer, pour te tuer les boss et tout, fouiller, trouver des armes. Tu vois, mais là, tu as un temps pour faire ça, quoi. Je pense que ça doit être ça. Parce que quand tu le lis dans les astuces, quand ça charge, ils te disent clairement que tu dois récupérer les pages, le livre et la dague. Ils te disent pas, ouais, tu dois clean le boss et tout. Bon, elles arrivent ou quoi, là? Mais qu'est-ce qu'elles foutent? J'ai pas le choix, je peux pas les laisser là. Je ne peux pas. Bon, bah, j'ai plus qu'à les attendre. Si elles ne claquent pas en cours de route, qu'il faut... Comment ça se passe s'ils claquent, d'ailleurs? Faut que j'aille les restes, sûrement. Ou alors c'est fini. Elles ont trouvé à boire, elles, hein. C'est pas comme moi, hein. En fait, je dois mal fouiller, je connais pas le jeu, donc je sais pas trop où ça se trouve, les trucs. Les pauvres, elles sont poursuivies par des zombies. On demande. Allez, on y va. Ça va, hein, au niveau du jeu, j'entends. Ça va quand même. Les PNJ qui jouent avec toi, ils sont quand même bien gérés. Les bots, on va dire, sont bien gérés. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, évidemment, il y a des petites erreurs, hein, mais bon... Là-dessus, ça me cause pas trop de problèmes, hein, que les toutes petites erreurs comme ça, du style, ils mettent un petit peu de temps à arriver, des fois ils exécutent pas les mobs, etc. Bon bah ouais, mais déjà t'arrives à jouer en solo, si t'as envie de jouer en solo pour t'entraîner, comme je suis en train de le faire, donc c'est déjà beau, avec une équipe finalement qui tient la route, quoi. Bon après tu choisis pas ton équipe, il y a peut-être moyen de le faire, hein, parce que j'ai vu qu'on pouvait, dès le départ, choisir une équipe, ça hurle là, pourquoi ça hurle comme ça? Ok, là-bas, on va arriver donc, on va prendre le livre en premier, hein, 260 mètres. Du coup, ça va nous éloigner de la vague, mais on n'a pas le choix. Si on voit sur la vague, elle nous éloigne du livre, hein. Donc bon... Oh là 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 là. L'accident qu'il ne faut pas avoir, tomber sur le dos. Les zombies qui arrivent, regarde ça. Bah ouais, et puis en plus, je suis super doué, t'as vu? Les visées. Hop. Allez, il a pété. Et là, c'est pas de leur faute, hein. C'est pas de la faute à mes petits bots qui sont avec moi. C'est plus de la faute du joueur qui clique n'importe où. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Boîte de munitions. Là-dedans, il y a quoi? Des allumettes. Bon, on prend pas, non? Allumettes, ben j'ai le plein. Ah bah, enfin, à boire. Bon, bah, ça m'en fait deux. J'en ai deux en réserve. C'est pas si mal que ça. Toi, tu dégages, toi. Toi, tu me mets un piège à l'intérieur, mais j'y crois pas, quoi. Allez, go. C'est ça, je suis entré. J'ai essayé d'appuyer sur Alt, là, mais j'ai mis un marqueur, normalement, hein. Mais je sais pas. Je vois, c'est mon niveau de peur, il est encore au maximum, et que je suis à 70 mètres de mon bouquin, donc je vais courir dessus, en espérant ne pas être possédé. Et je pouvais avoir un peu de lumière. Ah, il y a une lanterne à côté. Vous voyez le bouquin? Il y a une lanterne. C'est bon, ça. Aïe. Bon, attends. Ce que je vais faire, je vais prendre un peu sa lanterne. Allez, toi. Au revoir. Je récupère un tout petit poil là. Je redescends un tout petit peu pour pas être possédé et je lance. Parce qu'il manquerait plus que je lance, que je sois possédé, que je me batte contre mes coéquipiers, tu vois le truc. Je sais pas à quelle distance tu peux être du truc bleu là, donc du livre là pour nous. Je me demande bien à quelle distance tu peux être. Je vois pas le repère en fait. Je suis un peu paumé, j'arrive pas à comprendre. Qu'il y a bien un cercle bleu au sol, mais ça semble représenter mes coéquipiers. Je sais pas. Bon ben on va dégager ces petits mobs qui sont là. Là par contre notre bouquin il avance plus ici. Ah, en fait plus on est
autour du bouquin, plus vite ça va. Ouais, ok. Je veux bien le concevoir, mais... c'est compliqué quand même, quoi. 5 minutes, il me reste. 5 minutes. Oh là là, puis j'ai des zombies partout. Je suis obligé de me remettre un peu de life. Ça continue à attaquer, hein. On a fait 50% du bouquin à peu près. Je sais pas s'ils peuvent le détruire. Nous, non. Nous, on avait pris un... on avait pris un boss, je crois. Dans le tuto pour essayer de détruire ça. Donc, je serais pas étonné qu'il y ait un boss qui arrive. Qu'il incarne un boss. Allez, on essaie de rester à côté, là. Voilà. Non, ça... Elle est avec moi. Je te jure, quoi. C'est quoi le truc vert qu'elle a balancé, là? J'ai l'impression qu'elle nous a remis de la vie, mais je sais pas si c'est réel ou pas. Parfois, c'est un petit peu délicat de comprendre, hein. Ok, le bouquin est presque complet. Il se passe quoi, là? Pourquoi il pète pas, le bouquin, là? Il devrait... être fini? Moi, j'enlève le maximum de peur, bon. Ouais, ok, ben ouais. Enfin, je m'approche, quoi. Il fallait que je m'approche. Bon ben go, hein. Go, on se barre, hein. Comment on va faire? C'est pas là-bas d'ailleurs, c'est là, c'est de la dague. On va prendre la voiture là. Ah, si on peut pas monter. C'est chiant d'appuyer sur E pour sauter. Enfin bon, d'un autre côté, esquive sur espace. C'est de plus en plus joué, j'ai remarqué dans certains jeux. Bon, ils arrivent tous ou quoi? Ok. Elle veut partir, bah ouais, tu veux partir, bah ouais, mais pour partir, faut qu'on récupère la dague. Oh là 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 là. Bon, on va être obligé de couper en pleine campagne, ce qui veut dire qu'on va faire ce qu'il faut pas faire. Là, ça va être compliqué, hein, parce que les voitures sont pas solides, rien. Et bon, 3 minutes 28, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas faire une promenade de santé, en plus, j'arrive même pas à piloter ça correctement. Non, mais essaye, essaye, toi, te dis pas, il pilote n'importe comment, essaye. C'est incroyable, le truc. Je débute, je connais pas le jeu, j'allais dire. Donc je connais pas non plus les techniques pour piloter. Ça, on va passer là. Hop. C'est pas évident. Et les véhicules sont assez fragiles en plus. Bon bah là, pour l'instant, on n'a pas pris de gros choc, donc le véhicule tient. Ouais. Bon. Je sais pas s'il va tenir longtemps comme ça, mais bon. On va essayer, hein. Oh là 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 là. Il fume, premier point. On est à 150 mètres. Allez, go, on avance. T'es en stress permanent, hein. Ça fait... c'était à 30 minutes, donc ça fait 28 minutes quasiment que je joue. À part les 3 premières minutes où, toi... Sinon, t'es en stress permanent. Là, tu sais pas quoi faire, c'est la panique complète. Quand tu démarres. Ok, là-bas il y a bien un truc pour la peur, je vais enlever la peur. Ça va aller un peu moins vite normalement si je suis pas là, mais normalement en 2 minutes on aura le temps, non? Elles ont pas besoin de moi normalement. Ouais, lui par contre il a besoin de venir m'emmerder là. Incroyable. Allez go! Go les filles! Mettez-vous sur la dague! Je perds pas vraiment beaucoup moi. Il faudrait que je perde, ça y est. Ça y est, ça descend. Ça, c'est bon signe. J'arrive à redescendre à zéro, là. Ouais, ben, elles aussi, elles sont quasiment à bloc, hein. Elles risquent fort d'être contrôlées à tout moment. Hein. Donc, je sais pas comment ça va se passer si ça nous arrive. En même temps, il nous reste 1 minute 26. C'est baisé. Est-ce que la dague, on va réussir à la prendre en 1 minute 26? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout, hein. C'est assez long, hein. On n'a pas fait encore la moitié cette fois. Je vais mettre un petit point. Mais... Ah, c'est un petit boss, ça. Ouais, il est où? T'es où? Reviens, petit. Je crois que c'est elle. Ouais, il revient, ok. Allez, il est là.
Non, c'est catastrophique, il me reste 40 secondes. J'aurais jamais la dague, j'aurais dû venir, j'étais trop con de rester près de la pancarte. Ouais, je vais enlever mon fire. Non mais attends, mec, t'as pas de cerveau quoi, sans déconner. 28 secondes. C'est pas possible, je vais perdre. C'est la défaite, première partie défaite, ça commence bien. Normalement c'est truc simple ça, tu vois, c'est juste pour te mettre, enfin, du moins non, sur d'autres jeux quoi. Bah le jeu franchement, il est pas mal, hein. Ça demande un peu d'entraînement. En plus j'ai vu que t'avais un système de leveling sur les personnages, donc honnêtement, n'hésite pas à le tester. Allez, je suis baisé. Ça c'est la fin ça, non? Ah ouais, j'ai perdu. À quelques secondes près, ouais, défaite. Quelques secondes près. Ok, ben j'en ferai une autre partie. Cette fois-ci, j'espère gagnante. Merci en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je suis nul. C'est pas grave, moi j'assume. Hein. Y a aucun souci. Donc merci encore à tous. Et puis, ben sur la prochaine, je vais essayer de prendre une victoire. Je vais essayer, je dis bien. C'est pas gagné. Allez, bye bye.